Tu es entrepreneur et tu te poses la question de comment distribuer tes produits. La vente directe est peut-être faite pour ton entreprise. Alors, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Frédéric Billon, qui est DG de la Fédération française de la vente directe et qui précédemment était entrepreneur et directeur général de plusieurs entreprises. Nous allons aborder à quel type de produit la vente directe convient-elle, quels sont les avantages de ce mode de distribution, quels sont ses inconvénients. Quelles valeurs sont partagées par les entrepreneurs dans la vente directe? Alors, je compte sur toi pour montrer ton soutien à toute l'équipe du podcast en t'abonnant au podcast Coulisses de Soft Paris. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur podcast.softparis.com et aussi sur la chaîne YouTube de Soft Paris. Je suis Anne-Charlotte Deruel, hashtag boss ACD, fondatrice de Soft Paris. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Je suis obsédée du marketing, des chiffres, de coaching et par l'envie d'aider un maximum de personnes à vivre la version 5 étoiles de leur vie. À 30 ans, j'avais des dettes et un scooter et j'ai monté une boîte de sextoys. Aujourd'hui, elle fait un chiffre d'affaires à 7 chiffres, je suis entrepreneur en série et je travaille de la maison. Dans les coulisses d'une boîte de sextoys, je partage avec toi les secrets éprouvés pour bâtir la vie dont tu vas être amoureuse. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Bonjour Frédéric, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes s'il te plaît? Bonjour Anne-Charlotte, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Frédéric Billon, je suis le délégué général de la Fédération de la vente directe. La Fédération regroupe une majorité d'entreprises qui proposent ses produits, qui proposent leurs produits, pardon, aux directement conseillers hors établissement. Donc on entend par hors établissement, en dehors des boutiques ou des sites e-commerce. Et nous, notre boulot, la Fédération, c'est d'essayer de défendre et de développer ce secteur qu'on pense complètement en phase avec notre temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'attente du consommateur, qui est d'avoir plus de conseils, une relation privilégiée avec ses vendeurs, on s'inscrit complètement dans cette tendance de consommation plus intelligente. Voilà un peu mes fonctions et le rôle de la fédération. Super. Et donc ce matin, Frédéric, on se retrouve de façon à parler entrepreneuriat et vente directe, parce que hélas, la vente directe, la vente directe, c'est pas le premier truc auquel les entrepreneurs pensent quand ils réfléchissent à leur réseau de distribution. La vente directe en 2022 a fait quand même 4,3 milliards de CA en France, donc c'est pas négligeable. Entrepreneur, si tu te demandes est-ce que je vais faire plutôt boutique, est-ce que je vais faire plutôt du e-com, eh ben pense aussi vente directe. Et voilà, notre sujet d'aujourd'hui, ça va être ça. Et absolument, absolument. Je rebondis tout de suite sur, tu as parlé de la relation avec le consommateur, et je pense que la vente directe, c'est vraiment fabuleux pour ça. Chez Soft Paris, on a des clients et des conseillères qui se suivent, qui bossent ensemble, qui ont du coup construit plus qu'une relation purement commerciale, mais voilà, qui restent clients et vendeuses depuis plus de 10 ans. Donc c'est des relations durables, c'est du conseil, c'est de la confiance. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, c'est la base, c'est l'ADN de la vente directe et c'est toujours vrai. C'est même renforcé, je pense, avec les outils technologiques, notamment les réseaux sociaux, les moyens de communication qui sont renforcés. L'ADN de la vente directe, c'est la relation entre un vendeur et un conseiller, très souvent durable, peu importe le service ou le produit proposé. En fait, on part du postulat quand on a une société de vente directe que nos conseillers de vente sont d'abord nos premiers clients et que par liens sociaux, ils vont pouvoir développer une clientèle convaincue de la qualité des produits. Et ça passe par effectivement une relation humaine très forte. Et oui, comme je le disais, en fait, on pourrait croire que les réseaux sociaux et les technologies ont cassé un peu cette humanité et ce lien. En fait, c'est tout l'inverse. Les réseaux sociaux, bien utilisés aujourd'hui, ne font que renforcer ce suivi, cette fidélisation commerciale. C'est d'ailleurs
Un des avantages, et on va y revenir si tu veux, de la vente directe pour quelqu'un qui lancerait son entreprise aujourd'hui, le premier avantage, c'est la stabilité. C'est-à-dire, à partir du moment où ton produit, évidemment, il est de qualité, et que tu commences à avoir des conseillers de vente, ces conseillers de vente, ils vont très facilement fidéliser la clientèle. Ils font correctement leur travail, bien sûr. Et ça, c'est un gros avantage par rapport à d'autres secteurs. Aujourd'hui, quand tu veux te lancer en tant que startup, que tu veux lancer un produit ou un service, si tu veux aller en e-commerce ou en boutique, tu vas tout de suite te retrouver confronté à une forte concurrence, peu importe le produit que tu proposes. Sauf innovation, il n'existe absolument nulle part. Donc, tu as beaucoup de concurrence. Et pour exister au sein de cette concurrence, c'est extrêmement compliqué. Il faut te battre pour avoir un rayonnage en grande surface. Il faut te battre pour exister et payer énormément de publicité, notamment sur Internet. En vente directe, tu confies finalement le développement de ta marque et de tes produits à tes conseillers de vente qui vont, par capillarité, faire leur propre marketing et convaincre en faisant des démonstrations physiques et ou en faisant des démonstrations en ligne pour convaincre les clients et ensuite simplement leur présenter les nouveautés, les promotions, etc. Je ne sais pas si c'est ton retour d'expérience, mais c'est souvent ce qui se passe. Les liens qui sont créés entre les vendeurs et les conseillers, notamment dans les réunions ou dans les présentations, en ligne physique, beaucoup plus forte finalement que les liens marketing habituels. Oui, l'aspect fidélité, il est beaucoup plus important. L'impact des réseaux sociaux sur notre mode de vente, effectivement, quand t'as vraiment deux cas de figure, tu as le conseiller qui rencontre des clients en physique. Et cette relation va continuer et perdurer et se solidifier et voilà, grâce aux réseaux sociaux. Mais le réseau, en fait, il existait déjà en physique. Donc il y a cet aspect-là. Et puis les réseaux sociaux, donc, qui sont un petit peu plus, j'allais dire un peu plus dilués, mais en fait, c'est juste ce lien de confiance qui est un peu plus dilué, parce que quelqu'un que tu découvres sur les réseaux sociaux avec une vidéo TikTok ou un Instagram, etc., tu le découvres et puis tu vas pas créer ce lien de confiance tout de suite. Il va falloir voir cette personne, la suivre, qu'elle soit présente, etc. Et puis après quelques semaines ou quelques heures d'interaction virtuelle, ce lien de confiance, il commence à se créer. Et évidemment, si ensuite c'est suivi par une rencontre physique, par un appel, par un visio ou quelque chose comme ça, eh ben c'est à ce moment-là que la confiance, elle s'établit vraiment. Donc, notre mode de vente traditionnel, de réunion à la maison, etc., de je te présente une copine, etc. Donc, ça existe, ce réseau, il existe de manière très forte depuis très longtemps. Et en physique et en virtuel, en fait, ça se complémente extrêmement bien. Les deux fonctionnent très très bien ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, mais c'est vrai que quand on a les deux ensemble, c'est top. Oui, c'est la clé du succès hein, pour les conseillers de vente que d'utiliser les outils aujourd'hui à disposition en complément d'une relation plus personnelle qui fait toute la différence. Donc, c'est vraiment clé. Hein. Tout à fait. Et avec cette présence sur Internet, je pense qu'une des clés du succès qui est valable en physique, qui est valable sur les réseaux aussi, c'est d'être là avec constance en fait. C'est pas travailler ton job de vente directe une fois de temps en temps, c'est d'y être très très régulièrement et avec constance. Absolument, c'est tout à fait ça. Alors, si on revient peut-être, parce que là, on a parlé plus de la relation conseiller-client, est-ce qu'on revient peut-être plutôt à une discussion pour les entrepreneurs, pour les gens qui Oui. se disent, ouais, tiens, la vente directe, ça peut être un mode de distribution intéressant? Oui, tout à fait. Il y a des clés à prendre en compte avant de se poser la question du mode de distribution. D'ailleurs, on va parler ici de la vente directe, mais il y a des clés aussi en e-commerce. Demain, si tu veux te lancer en e-commerce et que tu n'as pas une très très forte appétence pour les technologies, c'est peut-être pas un choix stratégique parce que en tant que dirigeant, il va falloir probablement pendant des années
que tu sois à l'aise avec ton outil de travail. Quand tu fais du e-commerce, ton outil de travail, c'est un site web. Là, ton outil de travail, ça va être des humains, donc des conseillers de vente, parfois expérimentés, parfois pas expérimentés. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec des humains? Est-ce que j'ai envie de mettre à disposition mes produits, mon savoir-faire, former ces gens-là pour qu'ils puissent s'épanouir de manière autonome, puisque dans la plupart des cas, tu vas travailler avec des indépendants. Et quand bien même tu travaillerais avec des salariés de droit commun, comme c'est le cas par exemple dans l'amélioration de l'habitat, il faut bien comprendre que la plupart du temps, ces personnes sont libres, libres de leur mouvement, puisqu'ils doivent aller rencontrer des clients, ils doivent travailler de manière très autonome. Donc, c'est un mode de management particulier, parce que tu n'es pas au contact direct tout le temps au bureau et toutes les heures avec tes équipes, puisqu'ils sont ou indépendants ou de toute façon libres de leur mouvement. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec des humains? Est-ce que j'ai envie de les former? Est-ce que j'ai envie de les voir s'épanouir? Est-ce que je suis OK pour gérer une équipe commerciale? Si à cette question, la réponse est oui, alors il ne faut pas douter, il faut prendre en compte la vente directe dans ton modèle économique parce qu'elle t'apporte de gros avantages. Elle t'apporte des avantages d'un point de vue du marketing notamment. C'est-à-dire que le budget marketing que tu vas être obligé d'adopter pour lancer ton produit ou tes services en boutique ou en e-commerce est beaucoup plus important que si tu le fais en vente directe. Pourquoi? Parce que le marketing, en fait, il est porté par tes conseillers de vente. Donc ça c'est un atout principal. Et puis, l'autre clé, c'est quel est ton potentiel de développement de produit? Est-ce que tu as une capacité de production forte, faible? Quels sont tes budgets? La vente directe, elle est propice à un modèle où tu n'as pas envie, ou tu ne peux pas, produire énormément dès le départ. L'avantage de ça, c'est que la notion de marge restante, elle est moins importante quand tu es en vente directe que quand tu es, par exemple, en grande distribution. Plus tu vas avoir besoin dès le départ de produire énormément, plus tu prends un risque financier important, plus tu vas réduire tes marges et plus ça va t'éloigner finalement de la vente directe. Pourquoi? Parce que c'est inversement proportionnel. Si ton objectif, c'est de développer énormément et de grosses quantités, alors il faut peut-être se poser la question, est-ce que vraiment la vente directe est un modèle pour moi? Par contre, si à l'inverse, tu as envie de monter progressivement, de monter en puissance, alors là, ça vaut le coup d'y réfléchir parce que la vente directe, elle est complètement appropriée à une montée en puissance relative. Ça sous-entend bien sûr que tu es capable de produire de manière régulière et que ton fabricant ou toi-même, si tu fabriques, tu es capable de produire de manière régulière un peu plus, peut-être chaque mois, chaque semestre, pour alimenter tes conseillers de vente. Donc, c'est deux modèles différents, mais clairement, si tu a envie d'un business qui monte progressivement avec tes capacités, la vente directe, elle est complètement adaptée. Très bien. Et en termes de type de produit, est-ce que Bon, tous les types de produits sont adaptés à la vente directe? oui, franchement, oui. La question qu'il faut se poser par rapport au produit, c'est est-ce que mon produit est suffisamment de qualité pour ne pas décevoir mes consommateurs? Pourquoi? Parce que tes consommateurs sont les clients de tes conseillers de vente. Et alors, très clairement, si ton produit ne donne pas satisfaction au consommateur, le retour de bâton, il est immédiat, puisque ton conseiller de vente qui suit sa clientèle et qui l'a en direct aura tout de suite les remontées. Et si ton produit n'est pas de qualité, c'est pas tellement, tu vas perdre le consommateur, ça c'est certain, mais tu vas surtout perdre ton conseiller de vente. Parce que s'il a des remontées systématiques de consommateurs et de clients qui lui disent les produits ne sont pas de bonne qualité, je ne veux plus en entendre parler. C'est sa crédibilité, sa légitimité à lui qui met en jeu. Et de toute façon, il y a un autre problème, c'est que, comme on le disait en préambule, tes conseillers de vente sont tes premiers clients. Il faut qu'ils soient convaincus. Et il faut qu'ils aient testé souvent quand c'est des produits consommables ou des produits technologiques ou encore des appareils culinaires. Donc il faut qu'ils soient en confiance avec ce que tu proposes. C'est vrai aussi dans l'amélioration de l'habitat. Si tu proposes des produits qui ne sont pas de bonne qualité, de toute façon, ils ne viendront pas travailler avec toi parce qu'ils ne croiront pas à tes produits. Et si certains le font, pas du gain, par exemple, hein, c'est extrêmement rare dans nos entreprises, mais admettons,
ils vont avoir un gros problème puisque de toute façon, c'est le consommateur qui, lui, s'attachera pas au produit. Donc, je pense que c'est la base de est-ce que ton produit est de qualité, idéalement différenciant, mais la qualité est quand même la première clé. C'est pour ça qu'on a des produits de très belle qualité en cosmétique, en compléments alimentaires, en bijoux, en textile. Voilà, donc, mais tous les produits sont possibles et imaginables en vente directe. Ouais. Et moi, je rajouterais, donc, tu as mentionné vraiment la qualité du produit comme étant centrale, hein, pour savoir si tel ou tel type de produit serait approprié en vente directe. Moi, je dirais aussi un produit, un concept qui va être capable de créer de l'engagement ou de l'engouement. Parce qu'effectivement, les produits différenciants, le degré de différenciation avec la mondialisation qu'on connaît, avec la rapidité de développement, etc., je pense que la différenciation des produits, au fil des années, elle réduit. Donc, il faut qu'il y ait autre chose aussi. Et cet engouement, ça peut être vraiment important pour soutenir la motivation des équipes. Oui, tu as raison. Dans différenciation, alors c'est pas forcément de l'originalité, mais par exemple, on le sent et c'est assez profond. Aujourd'hui, les entreprises qui, par exemple, proposent de la labellisation, un modèle social important, au-delà même du produit, c'est-à-dire l'environnement social de l'entreprise, le respect de ses collaborateurs, mais aussi le respect des personnes qui distribuent les produits, la mise en avant de ces valeurs. On nomme un peu trop facilement RSE, qui est une norme, mais en tout cas responsable et social, ça c'est certain, idéalement écologique, mais là ça dépend complètement des typologies de produits. Tu vois, ça peut être un élément d'engagement. Pourquoi on va faire confiance? Ben parce que l'écosystème de la marque, l'écosystème de l'entreprise plaît effectivement aux consommateurs. C'est effectivement très important. De toute façon, on dit souvent qu'en vente directe, on n'achète pas seulement le produit. On achète le produit et la prestation qui va avec, c'est-à-dire le suivi du conseiller de vente, son empathie, son écoute. Et globalement, on achète aussi un petit bout de la marque et de la philosophie d'entreprise. Ça, c'est certain. Absolument. Tu as mentionné aussi le mode de management, parce que c'est vrai que pour moi, le mode de management en vente directe, il est extrêmement différent, sauf un secteur particulier de la vente directe. Les vendeurs sont indépendants, donc ça veut dire qu'ils ont 100% le choix, tous les jours, à chaque fois qu'ils décident de travailler pour vendre tes produits, les produits de ta marque, ils ont toujours le choix de faire autre chose. Donc, le type de management, il est assez différent. Moi, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus humain, beaucoup plus dans la vraie vie, en fait. Qu'est-ce que toi, tu en as à dire, Frédéric? Et tu as complètement raison. Le management en vente directe, c'est un management où tu n'as pas le droit d'imposer. Tu n'as pas le droit d'imposer les horaires. Tu n'as pas le droit d'imposer le rythme, la régularité. Tu dois convaincre. Et ce qui est. Alors, ça peut paraître plus compliqué. C'est-à-dire qu'en tant que créateur d'entreprise, on pourrait se dire, oui, mais c'est mon produit, c'est ma gamme, c'est normal que ce soit moi qui donne les ordres. Oui, on peut penser ça. Honnêtement, aujourd'hui, en 2023, c'est probablement pas la bonne stratégie, en tout cas pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais on peut l'imaginer et effectivement, pour certains produits, ça peut fonctionner. À l'inverse, quand tu acceptes l'idée que tu dois convaincre, ce qui est extrêmement positif pour toi en tant qu'entrepreneur et pour ton entreprise, c'est que tu n'as pas le droit de te reposer sur tes lauriers. Et tu prends moins de risques de voir tes produits désavoués, de voir tes collaborateurs partir, puisque tu vas systématiquement, pour convaincre, être obligé d'écouter ce qui remonte du terrain. Et je pense que c'est une des clés, c'est qu'en vente directe, si tu n'écoutes pas le terrain, si tu n'écoutes pas tes conseillers, ça ne veut pas dire oui à tout ce qu'ils demandent, hein, mais si tu n'écoutes pas ce qui se passe réellement, ça ne fonctionne pas. Et c'est la clé du management en vente directe. C'est parce que tu écoutes que tu prends les bonnes décisions et que tu arrives à convaincre tes conseillers de vente ou tes conseillères de vente. Oui, c'est ça aussi qui fait qu'on est tous dans le même bateau.
Et on avance tous ensemble dans la même direction. Et ça, c'est Absolument, fondamental. absolument. Et je pense que les entreprises classiques avec des grosses forces de vente embauchées, employées, elles ont du mal à atteindre ce joli but, en fait, que tout le monde avance dans la même direction et en même temps. Alors là encore, c'est l'histoire de management. Hein. Nous, donc, on représente aussi l'amélioration de l'habitat. Donc, on a une partie des vendeurs de ces entreprises qui sont salariés. Et franchement, ça fonctionne bien. Mais le mode de management, il est largement rapproché d'une autre. Pourquoi? Parce que les vendeurs sont libres en fait la journée. Et les entreprises qui performent aujourd'hui embarquent dans leur histoire les vendeurs avec eux. Donc, la technique, elle est la même. Et l'empathie nécessaire, elle est la même. Très bien. Donc, quelles seraient les qualités pour toi, Frédéric, les qualités de l'entrepreneur dans la vente directe? Par rapport à ce que je viens de dire, l'écoute, c'est obligatoire, avoir envie de travailler en équipe et accepter que ces produits et services soient certes sa propriété, puisque c'est toi en tant que créateur qui possède ces produits-là, mais les partager, c'est-à-dire faire que ces produits deviennent aussi les produits de ces équipes. Et puis, en dehors de l'écoute, la rigueur, parce que on n'en a pas parlé, mais c'est un point important. C'est la vente directe, ça reste une entreprise qui oblige à une prestation de service aux consommateurs et à tes conseillers de vente de très précise. C'est-à-dire que tu peux pas, malgré le fait que tu aies des conseillers de vente au contact des clients, tu peux pas galvauder toute la partie logistique, toute la partie service au consommateur, pardon, et aux vendeurs. Donc, je dirais que les deux principales qualités, c'est l'écoute dans le but du management et La la rigueur. rigueur. Ouais, par rapport à ça, tu vois, ma philosophie au sein de Soft Paris, moi j'ai une admiration sans limite de nos conseillers et conseillères. Je trouve qu'elles font un boulot fabuleux. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. Donc je sais comme c'est difficile. Je sais, C'est sûr. voilà, je sais. Et du coup, vraiment, j'ai une énorme estime pour les C'est gens sûr. de notre équipe qui font ça. Et du coup, ma philosophie par rapport à ça, c'est que vu qu'elles font un boulot fabuleux et qui est vraiment difficile, en tout cas certains jours, c'est franchement dur. D'autres jours, c'est top, c'est fun et tout, très bien. Mais ça veut dire que moi, mon job, c'est d'être le backup parfait. C'est de m'assurer que tout fonctionne pour elle. Que ce soit en termes de déjà produits de qualité, ça t'en as parlé tout à l'heure, enfin, voilà, que le produit il soit parfait en termes de qualité, que en termes de marketing, en termes d'outils, de support de vente, etc., on soit là, qu'en termes de logistique, que de stock, en termes de service client, que tout ça fonctionne bien, en termes de support informatique, etc. Bref, tout le package de façon à ce que le vendeur, la vendeuse, elle soit 120% en confiance d'aller vers un client et lui dire, moi, il y a des produits que j'adore et je vais t'en parler. Et ce lien de confiance que la vendeuse ou le vendeur, il a avec Soft Paris, il va ainsi réussir à le recréer entre lui, elle-même et son client. Pour moi, c'est Absolument. vraiment un truc fondamental, une clé de réussite en fait pour l'entrepreneur en direct. Ouais. Oui, tu as absolument raison. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment la clé. Après, c'est certain que quand tu veux te lancer en vente directe, la principale clé, c'est est-ce que tu as envie d'être au contact de tes conseillers de vente et être à la fois leur coach. Parfois, tu transformes, enfin, les relations se resserrent et donc. Quelqu'un qui est en grande difficulté, tu vas essayer de l'aider. Mais tu as raison d'insister sur le courage et en même temps l'investissement des conseillers de vente dans les entreprises de vente directe. Il faut vraiment comprendre que pour toutes ces personnes, c'est de l'entrepreneuriat. Hein. Je veux dire, elles sont, surtout quand elles sont indépendantes, mais elles sont. Si elles n'ont pas envie de se lever le matin, elles n'ont aucune raison de le faire. Quand tu es salarié dans un bureau, que tu as des horaires, ben à 9 h, il faut que tu y sois. Donc, tu y es. Et finalement, ton moral du moment, ton état d'esprit, il n'influe pas tellement parce que tu y vas. Donc, ça te crée une espèce de routine, de rythme préorganisé
confortable quand on y pense bien. Quand tu es indépendant, c'est pas la même chose. Rien ne t'oblige à te lever le matin. Donc, ça va être ta motivation. Et quand t'en as plus, ben, c'est là où l'entreprise prend le relais. C'est là où elle va te motiver, où elle va t'appeler. Et parfois, la motivation, c'est pas du challenge, c'est pas de l'argent, c'est même pas les produits. C'est simplement que ton équipe dirigeante, elle est là, le petit coup de fil, le mail qui va bien et qui fait que, ben, du coup, tu es reboosté parce que finalement, ça en vaut le coup et que c'est agréable. Et ça, c'est un travail qui est, comment dire, à la fois un travail qui est parfois subtil, un peu complexe, mais en même temps extrêmement enrichissant et valorisant pour le chef d'entreprise et pour le conseiller de vente. Parce que c'est toujours un réel plaisir, un bonheur de voir quelqu'un bah, qui n'est pas forcément dans le meilleur état d'esprit possible ou qui avait des difficultés, par exemple, pour s'exprimer ou être au contact des clientèles et s'épanouir et progresser. Et devenir demain un très bon ou une très bonne vendeuse. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, la vente directe est un des seuls secteurs où tu le ressens véritablement de manière régulière. Tu vois, c'est pas ça y est, je suis arrivé, mon entreprise va très bien, je gagne très bien ma vie, et puis les conseillers de vente se débrouillent, j'ai nommé un directeur commercial, et non. En fait, en vente directe, tu l'as toujours. Et on pourrait citer, on ne va pas le faire parce qu'ils ne nous ont pas donné l'autorisation, mais je connais des dirigeants d'entreprises de vente directe qui gèrent un très grand nombre de conseillers et conseillères, des milliers de conseillers et conseillères. Et ils prennent toujours ce même plaisir à aller sur le terrain, à écouter, même à dialoguer avec certains conseillers quand ils sont en difficulté, parce que c'est vraiment prenant et c'est vraiment très agréable. Je pense que dans la satisfaction de créer une entreprise, le plus de la vente directe, c'est ce retour-là. C'est le Oui, retour des conseillers de vente que tu as aidé à se développer. c'est ce côté humain, effectivement. Oui. Et c'est vrai que c'est magnifique, hein, de voir, de garder en tête une espèce de photo de qui était une personne, à tout point de vue, hein, et quelques années plus tard, avec l'expérience, à travers les formations, à travers voilà, le fait qu'elle s'améliore et elle devient. Elle fleurit, elle grandit en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, Alors, vraiment super. c'est vrai hein, dans une autre entreprise avec ton équipe proche, mais ce n'est pas la même sensation de réussite parce que quand tu es dans une équipe proche, dans une entreprise classique avec un lien hiérarchique, il y a comme une espèce d'obligation hiérarchique que de toute façon les personnes progressent, il y a des objectifs, des entretiens. On n'est pas sur le même registre et ce registre de la vente directe, il est passionnant. D'ailleurs, c'est. Et je pense qu'il y a Quand pas, on il y a pas commence le... en tant qu'entrepreneur en vente directe, c'est difficile ensuite de s'en défaire, tellement c'est épanouissant et agréable. Et je pense aussi que en dehors de la vente directe, il manque un élément, enfin, il y a un élément qui n'existe pas. C'est un élément de transparence. Parce qu'en fait, Toujours. vis-à-vis de ton N plus 1, vis-à-vis de ton manager, quand tu es employé, tu n'auras pas ce niveau de transparence qui fait que le manager, il va vraiment voir les évolutions. Je pense qu'il y a cet élément-là aussi. Non, tu as raison, c'est évident. Comme tu n'as pas de lien hiérarchique et comme finalement l'entreprise, comme le conseiller de vente sont libres de rester, de ne pas rester, il n'y a pas de raison particulière de cacher des choses. Enfin, de toute façon, tout se voit dans les résultats. Et puis, s'il y a une insatisfaction, effectivement, très vite, le conseiller de vente va aller vers d'autres horizons. Donc, c'est vrai que cette transparence, elle joue énormément Je pense, dans le côté agréable au quotidien de gérer une entreprise de vente directe. Ça ne veut pas dire que c'est moins de travail, ça ne veut pas dire. C'est juste plus simple à comprendre. super. Bon, enfin, clairement, clairement deux passionnés présents Oui, ça, avec c'est vous. sûr. Je pense que ça s'entend. Super. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un sujet sur lequel je t'ai pas du tout posé de questions et que tu as envie d'aborder? Non, toujours dans le. Enfin, je voudrais pas donner l'impression que je sais tout sur tout, mais des recommandations plus par expérience ou de ce que je peux voir des différents adhérents de la fédération. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, encore une fois, évitez de multiplier les modes de distribution. Choisissez-en un principal, ça ne vous empêchera pas démultiplier ensuite, mais au début, focalisez-vous sur un mode de distribution.
Et puis, autre chose, quand vous vous lancez là, par contre, en vente directe, qui est très important, essayez rapidement, quand vous intégrez des conseillers de vente à votre équipe, essayez de tout de suite repérer les talents, ceux qui ont un vrai potentiel pour les accompagner et leur permettre de développer. Alors, c'est particulièrement important quand vous lancez un nouveau produit ou une nouvelle marque, une nouvelle entreprise. Pourquoi? Parce que, en fait, ces personnes en qui vous allez avoir mis beaucoup de confiance, c'est probablement vos leaders de demain. Donc, c'est très important dès le départ de se créer un groupe de talents, je les appellerai talents, mais de personnes très investies et en qui vous sentez une confiance pour l'avenir. Ça, c'est important, dès le départ. Super, très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Mais je t'en prie, je À t'en prie. bientôt. À bientôt. Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sextoys. Yes! Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi? Si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note, quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter, et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie, et encore plus de folie.